Ah, je sais même que l'affaire se fonctionne que comment. Ça marche. Aidé. Appelez-moi l'enfant. Tamo. Oui, papa. Je reviens, c'est bien. Marche vite. C'est comment? Regardez un peu mon écran ici. Ça fonctionne déjà. Non, papa, appuie sur le truc jaune. Appuie aussi sur le jaune. Je maintiens. Sur oui, le jaune. Uh-huh. C'est bon. Va dans ta chambre, pas. D'accord, papa. Tamo, je t'ai déjà demandé de ne plus marcher comme ça. Tu veux devenir lélé. Papa, j'ai ça, ce n'est pas la bonne démarche d'un garçon. Non, papa, j'ai l'abcès aux fesses. Tu veux devenir pédé. Mets-moi la virilité dans ta démarche, là. D'accord, chien. Papa. Va dans ta chambre. D'accord, papa. Mais papa, j'ai déjà 23 ans. Tu ne dois plus me gronder. On t'a dit que l'enfant grandit dans la maison aussi. Chien. Mes enfants, ce que je suis en train de voir dans votre futur, là, ce n'est même pas clair. Il faut que vous fassiez l'engendrement du cerveau pour mieux voir. Ce que je suis en train de voir dans votre avenir, ce n'est pas clair. Je croyais que c'est notre part d'avenir qui avait été hypothéqué. Mais j'ai comme l'impression que les gens-là, ils ont hypothéqué moi au moins 14 générations au Cameroun. J'étais au téléphone avec mon congénère de Toudi l'autre jour. Je lui ai expliqué au téléphone que t'as l'affaire si tu vois que comment. Est-ce que ce n'est pas mieux que tu demandes aux autres lucifériens là de laisser les enfants s'y se développer, s'épanouir dans leur pays? Mon type m'a dit que c'est même en l'âge ici que le pouvoir est sucré. Qui ne peut pas laisser? Que si on n'arrache pas seulement à la force, il ne donne pas. J'ai appelé mon autre congénère là. C'est l'un de mes bons petits à l'époque qu'on partait encore à la mission catholique en 1936. Celui de l'assemblée là. Je lui ai dit que t'as... Te voilà, même tu parles qu'au ralenti. Le timbre vocal est cassé. Tu ne laisses pas l'affaire ici. Pourquoi vous attendez 2025? Vous voulez que les enfants s'y viennent seulement, que vous manquez le respect en vous chassant. Ben, si les enfants s'y prennent l'affaire, ça va la force. Ils vont vous exiler. J'aurais appris que les enfants s'y... Ils ont dit que si en 2025, ils réussissent à prendre votre machin là, sans que vous-même vous ne les donnez, ils vont tous vous exiler qu'à Bamenda. Que vous allez partir habiter tout ce qu'à Bansa. Mon ami de l'Assemblée m'a répondu au moins pendant 4 heures. Vous savez qu'il parlait très lentement et posément. Donc, il faut avoir le courage. Il faut surtout avoir la patience pour l'écouter. Il m'a dit, mon cher ami, je donnerai papi, donne papi chulo. Le peuple camerounais, c'est le seul peuple en Afrique que tu peux gouverner pendant 100 ans. Tu les maltraites. Tu les fais la répression. Hein? Tu vends tous les biens du pays. Tu vis bien. Tu mets tes enfants en haut. Tu les envoies en Europe. Tu fais ce que tu veux, tu ignores les bordels partout, tu roules en CA, tu utilises le carburant camerounais pour rien. Ils ne vont jamais parler. C'est un peuple d'abord bipolaire. Ils sont concentrés qu'à faire le tribalisme. Pendant qu'ils font le tribalisme, nous on pille les fonds de l'État. C'est comme ça. Donc je ne peux pas laisser. Ils laissent quoi? Je suis déjà au moins à 250 milliards, il faut que je complète ça à 300 milliards. Même si ça ne va jamais finir, que ça ne finisse pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une de mes générations qui viendra manger ça. Mes enfants, mes petits-enfants, c'est là où je suis resté comme ça, là. J'ai regardé mon combi comme ça de l'Assemblée. À des looks d'un repère comme ça, j'ai fait, donc papi Chulo, tu vas tout voir dans le pays ici. mais vous êtes mal barré, hein, chers jeunes. Surtout que vous n'êtes pas concentrés. Vous êtes dans les cuvettes de Heineken, les cuvettes de Petit Guinness. Vous êtes dans les cuvettes de Ice. Tu vois une petite fille, 17 ans, elle te lynche 11 Ice comme ça, là, elle se lève et marche avec deux pieds rentrés chez eux. Sans donner même le petit coup de marteau à celui qui a payé les factures. Elle marche sur ses deux pieds, sans tituber. 17 ans, 11 Petit Guinness. Massa. Yoï. Vous n'allez pas vous en sortir, ce qui est sûr. Votre avenir n'est même pas hypothéqué. C'est votre existence et même votre subsistance qui a été hypothéquée. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui est engagé en ce moment. On a possédé votre âme. C'est-à-dire que vous êtes dénudé de toute substance. Toute substance même congénitale et existentielle. On go fou. C'est comme ça que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon autre type de baganté. C'est que c'est avec lui que j'ai grandi. Hein? On a grandi à Casablanca, on partait nager à l'eau qu'on appelle Kodonfo. Au marché B qui est en bas de la colline où il y avait on avait trouvé le crocodile là. Le crocodile de Massara, son totem qui se baladait dans l'eau, qui mangeait les enfants des gens. J'appelle mon type de baganté, je dis que mais tu as mangé tout l'argent du bois dans le pays ici. Tu ne veux pas laisser. Je vois les vidéos de toi que tu marches seulement comme le robot. Donc, mais l'affaire, si tu ne veux pas laisser. Il m'a dit que la loyauté. Tu sais que c'est le grand maître qui m'a tout donné. Tant qu'il dit que je suis toujours là, je serai toujours là. Il veut que mourir que là. D'abord même, mon âme ne m'appartient plus. Ça lui appartient. Mes enfants, mes petits-enfants, je me suis exclamé comme mon petit-fils mouton fait souvent là.
Femme là, kentchum, non, comme Saint-Lazare. Yoï, j'ai dit que les gens, si vous n'allez pas vous en sortir, que je regarde mon petit-fils Cabrichou comme ça. Je regarde Agnouchou comme ça. Je dis que donc, comme tu es placé là, que tu as même le sac, tu pars à l'école. Les gens s'y ont déjà hypothéqué ton avenir. Je regarde mes petits-fils comme ça, je dis que yoï. Donc, frère, vrai que les gens s'ils ont attaché tout devant comme le coquille. Donc, il n'y a rien dedans. Rien dedans. Ça attaque. Parce que l'enfer sera saturé. C'est le genre que même Lucifer regarde les pères ici comme ça, là, il dit que j'ai comme l'impression que quand Dieu m'a créé, il m'a envoyé en enfer, là. Il est resté créer un autre enfer pour me concurrencer. C'est comme si Dieu avait créé un autre enfer pour concurrencer Lucifer. Parce que ceux-ci, ce sont même plus les Lucifériens. Ce sont les reptiliens, petit frère. Plus ils vieillissent, plus ils ont envie de pouvoir, plus ils ont envie de vivre leur jeunesse, plus ils ont envie de piller les fonds, plus ils ont envie d'être répressifs, plus ils ont envie d'être méchants. Et moins ils ont de l'inspiration, moins ils ont de l'innovation, moins ils ont l'envie de développement. Ah! Mon Cam Saint-Lazare. Ça, c'est l'exclamation de mon petit-fils Mouton Mouton. Ça, clé. Mais mes enfants, vous allez vous en sortir. Parce que quand je vois mes congénères là, ils ne sont pas prêts à vous donner le pouvoir. Ils ne peuvent pas vous donner. Ils ne peuvent pas. Parfois, je me regarde dans le miroir comme ça. Je pense à la tête de mon congénère d'étudiant, celui de l'Assemblée. Je pense au Baganté. Je dis que mais c'est les trois institutions les plus puissantes du pays que les gens s'y tiennent. Quand moi-même, je me regarde et je me dis que ce sont mes aînés. Parce que ce sont mes grands frères à l'époque, je marchais que derrière eux. L'arthrose veut me tuer. Le fipangras, mal de dos, mal de rein, inter-espèce, le rhumatisme. Puis c'est même tu appuies la prostate d'ingang, tu appuies, l'urine sort, ça garde au moins 3 litres dans le reste. Oui. Parfois même ma mari, elle écarte comme ça, que voici le gosomor. Entre. Dès que tu arrives à l'entrée, papier est tombé. Je les regarde comme ça, elle dit que les gens, si, en 2025, vous voulez encore prendre le pays ici devant les enfants, si, ya! L'enfer sera saturé. Ya! Maintenant, pour revenir à vous, cette jeunesse, qu'on appelle le fer de lance de la nation, jadis, à l'époque, qu'aujourd'hui, moi, j'appelle la malchance, il y vous, le carambani même, la vraie sorcellerie même du pays, c'est vous. Fer de lance de quoi? Vous allez lancer quoi? Que vous avez pris la force ou pour lancer quoi que ce soit? La seule chose que vous êtes capable de lancer, que tout le monde connaît, c'est de le verser dans l'invective. Dans l'invective, dans la fornication, le comportement que vous avez dans le privé et dans l'espace public. Dans l'espace privé, c'est les orgies que vous organisez, les par 14, les par 13, les par 12, les par 24, les par 74. Dans l'espace privé, vous organisez que les fumeurs de banga, les kyors, les disapam, les spareros, prenez les comprimés, les cailloux. Après, vous venez dans l'espace public, faites dans le tribalisme. Les Bamileke et les Bétis passent le temps à faire la guerre. Alors que c'est les plus grands gnorceurs dans le pays ici. Vous êtes même hypocrites envers vos propres plaisirs. Vous vous cachez dans la nuit, vous gamiaillez. Vous gnorcez, vous accouchez les enfants hybrides Sokoto dans le pays ici. En journée, vous venez dans l'espace public sur les réseaux sociaux, faites semblant de vous détester. Vous êtes méchants. Les Bamileke et les Bétis, la responsabilité de ce pays, le futur de cette nation repose entre vos deux mains. Vous êtes deux peuples puissants de ce pays. Mettez-vous ensemble, vous chassez les gens hier. Mettez-vous ensemble. Parce que vous tous vous souffrez. Quand on va dans vos différents villages, c'est la misère. Vous venez à Yaoundé faire les bruits, à Douala faire les bruits, à Bafoussa. Entrez dans les zones rurales, rurales. Vous souffrez tous. On vous a tous trompés. De toutes les façons, hein, mes enfants, mes petits-fils, c'était la fin de la vidéo. C'était Don Papi Chulo. Papa Ndotin d'Arepe. D'Arepe, oui, il disait toujours la vérité. Parce que à mon âge, on n'a plus peur de la mort. À mon âge, on vous tape sec. On vous dit la vérité qui doit être dite. Et ce pays a besoin de vous, tous les enfants de la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Parce qu'en réalité, vous avez tous été bénis, vous avez tous été trompés par Odan Doti d'Arepe. Ils ont passé le temps à boire les ruinards, les champagnes, les Dom Pérignon, les cristals. Ils ont logé dans les plus grands hôtels du monde, dans les pays européens, américains, asiatiques et même canadiens. Regardez dans vos villages, les routes vous tuent. Pour aller au village, c'est risqué. Tu pries même le Saint-Esprit, fuit la prière. Regardez l'autoroute. L'axe lourd, Douala Yaoundé. Yaoundé Bafoussam. Bafoussam Bamenda. Pour arriver au septentrion, c'est compliqué. Les nids d'éléphants. Vous mourrez tous les jours. Et c'est quand la mort te frappe, ça. Regardez si tu es Bamileke, tu es Béti, Bassa, tout pourri au Mangisa. On s'en fout. Quand ça frappe, tu entends 38 morts. On enterre les bêtises. Donc c'est à vous.
de prendre votre destin en main. Parce que les dons papichoulo que vous voyez là, ils ne comptent pas vous donner ça. D'ailleurs même, on a déjà donné le pouvoir dans quel pays vous avez vu. C'était Don Papichoulo, le père d'un papa Nandoti Répé, qu'il a la sale bouche, il dit toujours la vérité en l'air, en l'air. Le grand-père de Mouton Mouton et l'arrière-grand-père de Kabicho, sans oublier mon statut actuel de arrière-arrière-grand-père de Agnoshu. Don Papichoulo, partagez la vidéo, mes enfants.